Bonjour à toutes et à tous, le marché ouvre en hausse ce matin, dans une journée toujours marquée par de nombreuses publications d'entreprises. Et on commence avec Total qui fait état d'un résultat net en baisse de 2% pour un chiffre d'affaires en recul de 29% sur le dernier trimestre. Assure également aujourd'hui Numéricable SFR qui a présenté des résultats en nette amélioration au deuxième trimestre avec un EBITDA ajusté en hausse de 19%. Solvay a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires net à 5,32 milliards d'euros en progression de 5,3% par rapport au premier semestre 2014. Enfin, Schneider Electric a publié un chiffre d'affaires semestriel de 12,85 milliards d'euros, en hausse de 9,8% en données publiées, mais en contraction de 0,9% sur une base organique. Gros plan ce matin sur Peugeot qui a bouclé le premier semestre 2015 sur un chiffre d'affaires de 28,9 milliards d'euros en progression de 6,9% par rapport à la même période en 2014. Le résultat opérationnel courant du groupe ressort à 1,42 milliard d'euros, soit largement plus que les 387 millions d'euros réalisés un an plus tôt. L'essentiel de la progression est porté par la division automobile, dont les résultats se chiffrent à 968 millions d'euros. Bonne journée à tous, rendez-vous à midi pour le prochain flash.